ce n'est pas vrai. Et le président Kabila n'a pas eu ce score-là. Et M. Tshisekedi a eu plus de voix. Mais actuellement, le problème n'est pas là. Celui qui conteste M. Tshisekedi doit aller à la Cour suprême. Et la Cour suprême décidera. En ce moment-là, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais M. Tshisekedi a déjà dit qu'il n'irait pas à la Cour suprême parce qu'il considère que la Cour suprême est acquise à la cause du président Kabila. Quel que soit le parti que pourrait prendre la Cour suprême, il doit faire cette démarche et adopter cette procédure pour arriver à résoudre les problèmes. Sinon, nous serons dans une impasse politique. Et le pays peut avoir beaucoup de dommages.